Le logement est un droit humain. Cependant, l'objectif d'un logement pour tous reste loin d'être atteint. Les causes sont diverses. La majeure partie de la population est locataire, les loyers sont très chers, les appartements indécents et une pénurie de l'habitat, entre autres. Tous ces facteurs sont d'ordre financier. C'est dans l'optique de résoudre cette problématique que le ministère de tutelle a initié cette rencontre d'échange avec les acteurs clés du domaine. Les différents modes de financement utilisés jusqu'ici sont entre autres le financement par l'État à travers essentiellement le budget national et le budget de l'EMH, le financement par les promoteurs immobiliers avec une subvention de l'État. Ces modes de financement ont montré leurs limites et peinent à apporter une réponse adéquate aux besoins pressants de nos populations. Selon la stratégie nationale de logement, en 2015, il y avait un besoin de 440 000 logements au Mali, dont 240 000 à Bamako. 4 ans après, ces chiffres ont sûrement beaucoup évolué. Pour le gouvernement, il y a urgence de trouver des solutions. Conscient de la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts d'investissement dans le logement comme facteur de cohésion sociale et vecteur de développement, le gouvernement s'est engagé à mener les réflexions en vue de la définition des nouveaux modèles économiques du financement du logement, tenant compte à la fois de l'importance grandissante de la demande que des contraintes budgétaires et des limites de notre économie. L'intervention de l'État est donc indispensable pour créer les conditions facilitant l'accès à un logement décent, à un coût abordable pour le plus grand nombre de nos concitoyens. Les échanges devraient permettre de mettre en exergue le rôle et les responsabilités des différents intervenants, de même que la contribution attendue de l'État dans le cadre du dispositif du prêt acquéreur. À l'issue de la rencontre, des propositions seront faites pour améliorer l'accès des populations maliennes aux logements décents.